Et bonjour tout le monde, ici Atland et on se retrouve sur RimWorld. Alors désolé pour la coupure brutale de la fin du troisième épisode. Je n'avais plus de place sur le disque dur. Donc voilà. Donc vous n'avez pas loupé grand chose sur la fin du dernier épisode. En fait, on s'était quitté sur l'attaque d'un animal fou. Ce que vous n'avez peut-être pas vu, donc c'est Huita. Donc Huita, donc qu'on avait capturé, donc qui est passé maintenant... De notre côté, hein, qui est devenu un de nos colons. Donc voilà pour l'instant. Donc, purée, il pleut et il ne ramasse pas. Pourquoi qu'il ne ramasse toujours pas? C'est quoi ce problème, ça? Il ne ramasse toujours pas. Donc déjà, on va accélérer. Ça, ce n'est pas bon. Il ne transporte pas. Donc ici, ça va, c'est protégé, mais dehors... Faudrait qu'il bosse un peu plus, alors je comprends toujours pas qu'est-ce qui est gênant. Alors, j'ai un de mes médecins, alors c'est qui? C'est Neil ou Milzo? Alors, je pense qu'on va peut-être voir Neil. Alors, Neil, santé, non, toi c'est bon. Milzo, par contre, t'as des cataractes, donc toi en médecin... On va te mettre niveau 2 en médecin seulement parce que on m'a dit, donc si jamais on devrait le faire opérer, ça serait pas trop bon quoi. Surtout qu'il y voit mal. Donc ça on s'occupera de lui, on lui mettra des yeux bioniques dès qu'on pourra. Donc de quoi on va s'occuper aujourd'hui? Donc déjà j'aimerais bien, parce que je leur ai demandé de me faire normalement des vêtements. Donc voilà, donc j'avais demandé de faire des vêtements, partager les tâches en plus, ok. Donc, mais là, personne ne récupère ça. Et puis en plus, niveau artisan, ouais, c'est seulement de niveau 3. J'ai pas encore. Donc c'est même pas encore le plus important chez eux. Toi, est-ce que. On va voir te placer niveau 2. Alors du coup, non, c'est tailleur. Voilà, niveau 2. Ah, peut-être que tu iras me faire des vêtements assez vite. Parce que là, il y en a qui ont froid, qui font froid. Dehors, il fait 16 degrés seulement. Donc, voilà. Et ici, il faut nettoyer. Ça, il faut l'enlever. Niveau des éoliennes. Les gens ne travaillent pas, ils ne travaillent pas beaucoup. Acier. Je suis en manque d'acier. Donc il me faudrait de l'acier. Ben, ici il y en a. Eh oh, il faut miner. Vas-y, il faut miner. Donc qu'est-ce que on voulait faire la dernière fois? Donc là, on va déjà pouvoir faire du commerce. Ça, c'est déjà une bonne chose. On va pouvoir faire du commerce. Ça serait bien que vous me ramassiez là. Le tissu là en plus il est mauvais. Ça craint. Il est de très mauvaise qualité. Du coup il a pris... Quand ça traîne à l'extérieur. Par contre là vous voyez ici je suis toujours à 100%. Donc, mais ici... Ils ont du mal à transporter. Hein. Bon, il va nous falloir des défenses par contre. Alors là, par contre, est-ce que je consomme plus que... Ouais, ok. On arrive à stocker la journée, mais il faut tenir la nuit. Donc, on va voir faire des petites défenses au cas où. Donc ça, du coup, on va devoir donc avoir beaucoup d'acier. Et puis, on va surtout se faire de l'électricité à part. Hop. Défense. Donc sécurité. Donc déjà on va construire énergie, panneaux solaires. Donc pour alimenter nos défenses, donc ce serait un circuit indépendant. Donc comment on va faire ça? Et on va partir plutôt... Je vais pas le mêler là. Donc on va le mettre là. Hop. Et on va déjà commencer à remplir, à stocker
avoir ici quelques batteries. Voilà, donc porte et des batteries. Hop, 2, 3. Voilà, par contre, ça va bouffer beaucoup d'acier. Et donc, hop, donc ici, on va juste refaire sortir le câble. Et donc, niveau sécurité, alors là, alors les mitrailleuses, elles consomment combien? Là, on voit pas encore combien qu'elles consomment. Donc moi, je veux justement pas qu'elles soient reliées au service. Bah, pour l'instant, c'est pas grave. Alors, ça peut venir d'en bas. Donc ça peut venir par ici. Donc on va déjà s'en mettre ici. Ici. Hop, ici. On va en mettre près. Hop. Je veux surtout pas que ce soit relié au structure principale. Ok, comme ça. Ensuite, par là. Ici. Voilà. Ici. Alors ici, on risque... Non, on va pas vraiment agrandir. Ici, on risque pas... Peut-être pas trop agrandir. Voilà, comme ça. Comme ça, là, dans le petit canyon. Donc, hop, ici. Ici. Ah, par contre, va falloir bien faire gaffe sur l'énergie, parce que ça consomme. Oh, toi, t'as déjà été construit. Alors, ça consomme combien? 350. Et une éolienne produit... ouais, une éolienne... pas une éolienne, une... Un panneau solaire produit, je ne sais pas combien. Faut attendre que le soleil revienne. Ah, c'est bien, tu m'as déjà fait des batteries. Fais-moi des... Hop. Du bois, on en a. Donc, l'inventaire, justement. Acier. Il n'y en a pas. Non, oh, on a déjà des tenues. Elles sont où, les tenues? Pourquoi je vois pas? Ils sont censés mettre... Ah, là, ils m'ont quand même mis enfin le tissu. Ah, ils sont en train de... Mais les vieilles tenues, elles sont où? Parce que j'ai pas rêvé, j'ai bien vu qu'il y a des tenues en stock. Là, ici, j'ai demandé à stocker les tenues, justement. Dans l'inventaire, tenues. Alors, est-ce que c'est en stock ou est-ce que c'est seulement objet ressources? Non, ça, c'est bâtiment. Ou est-ce que c'est ce que les gens portent déjà? Donc, je ne sais pas. Alors. Construisez-moi un peu les panneaux solaires, là, pour faire... Hop, on va mettre du coup. Alors. Là, ça va bouffer du câble. Mais c'est pas grave, j'ai envie de tester justement. Hop, voilà. Là, ici, on avait un là. Celle-là, on va faire passer comme ça parce que je voudrais pas que ce soit relié nouveau. Sur les futurs panneaux solaires qu'on va certainement rajouter dans le coin. Ok, et puis tu peux aller par là aussi. On bouffe l'acier, il me stocke même pas l'acier, il me le bouffe direct. Et là, hop, ici, il y en a une. Voilà, comme ça. Après, la suivante, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est ici. Ouais, elle est ici. Donc là, hop. On va partir comme ça. Voilà. Voilà. Ouais, ici, on dira que ce sera pour alimenter. D'ailleurs, la recherche sur... voilà, ici. Bon,
On peut continuer à descendre. Voilà. Et c'est même pas fait exprès. Alors là, déjà, des petits... Voilà, super, une éclipse. Donc ça, c'est pas bon. Éclipse solaire, des visiteurs, on s'en fout. Éruption solaire. Et alors, éruption solaire, ça désactive tous les éléments électriques et fournisseurs militaires. Donc, ça présente ce... Ok, donc on va voir si... Ben, on n'a pas d'électricité, on peut même pas communiquer. Les habits. Il faudra me faire des habits, les gars. Ça serait pas mal. Niveau nourriture, le frigo se remplit tout doucement. Mais là, on en a plein, hein, ils récoltent pas. Il va falloir des gens, il va falloir des colons. Hein. Plus de colons. Alors. Hop, on sait toujours pas combien produit un panneau solaire. Parce que là, niveau tourelle. J'ai combien de tourelles? Pour l'instant, j'en ai que deux. Alors... Ah, pourquoi c'est sombre ici? J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est sombre. Il y a peut-être quelque chose. On va voir ici, zone. Je sais pas pourquoi c'est sombre. Ah, j'ai rien. Voilà, ce n'est plus sombre. Alors, bon, sinon à part ça, les colons, ils ont besoin d'un peu d'habits. Ça serait bien. Là, c'est bien de récolter, mais il faudrait transporter. Alors, on a mis en transporteur pourtant priorité 1, là. Et faut transporter, mon gars. Huita ou Wilta, je sais pas comment il s'appelle. On va pouvoir regarder un peu le personnage. Allez. Aptitude. Alors, toc, incapable de travaux intellectuels. Ah, il y a un bug là, j'arrive pas à tout voir. Incapable de travaux intellectuels et d'artisanat. Donc normalement tu peux transporter. Donc je t'ai mis niveau 1 pour transporter. Ici, ça me stocke toujours pas l'acier. Hop, matériel. Non. Je veux. Alors, il me faut miner, il me faut de l'acier. Hop. Il faut de l'acier. Capsule de cargo. Hop, alors impeccable, là il faut me ramasser ça, mais bien sûr ils vont pas me le ramasser. Et niveau recherche, est-ce que quelqu'un, il y a encore personne qui s'est attelé à la recherche. Donc ça va pas avancer. Ça ne va pas avancer du tout. J'aimerais bien l'équipement géothermique. Donc un panneau solaire produit 1700, ok 1700. Et une tourelle 350, d'accord. Hop. Donc on va dire un panneau solaire pour environ donc 350 un panneau solaire, on va dire pour 4 voire 5 tourelles environ. Donc bon, là ça devrait le faire, plus les batteries si on arrive à stocker un peu, ça devrait le faire. Alors, ça donne quoi? Ah, lui, il a froid en plus. T'as froid. Et tu portes quoi? Un t-shirt et un pantalon, ouais. Ah oui, mais là, j'ai demandé à travailler, mais il n'y a personne pour travailler. Donc, c'est ça le problème. Tailleur, j'en ai qu'un tailleur. C'est quoi? Tu vas me faire des habits en priorité, mon gars. Je parie que c'est un transporteur aussi, le tailleur. Ouais, bah oui. Non. Tailleur. Non, il transporte pas. Ok. Donc c'est bon.
Hop. Donc tu vas me faire les vêtements en priorité là, ça commence à faire froid la nuit à l'intérieur des bâtiments. Ouh, 4 degrés, il va falloir mettre du courant, il va falloir chauffer un peu. Donc on va un peu les chauffer, nos petits bonhommes. Hop. 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 Toi, j'aimerais bien que tu te reconnectes plus près. Voilà. Alors, bon, j'en ai quand même mis un en priorité une là pour. C'est pas tailleur. Compétence liée, hein, moyenne compétence en taillant. Taille des pierres, d'accord. Donc on va mettre artisanat. Niveau 1. Donc. Bah oui, tailleur pour moi c'est le tailleur, hein, c'est celui qui fait les vêtements. Pas qui taille les pierres. Alors, hop. Pour l'instant, ça me stocke toujours pas le métal. Oh, ça ne mine pas non plus. Il y en a l'air d'avoir bouffé déjà tout le métal. Il faut qu'on mine un max, un max, un max, un max. Où c'est qu'il y a encore du fer? Faudra qu'on taille dans la roche, mais plus tard. Pour l'instant, on va prendre tout ce qui est apparent. Hop. Allez, faut tailler, faut tailler, faut tailler. Hop. Là, faut tailler. Allez, les colons, allez! Faut me tailler tout ça. En fait, je me demande s'il a pas pris une ordre de priorité, le gars, pour transporter. Je sais pas. Ouais. Va falloir plus de gens pour transporter. Il nous faut franchement plus de main-d'œuvre. Où tu vas? Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, pour l'instant, ça avance doucement. On va se laisser là pour cet épisode. Et puis, on se retrouve. Ah, ça y est, il commence enfin à tailler un peu les vêtements. Donc voilà, donc on va se laisser là pour le moment et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde !